quel est le rapport entre la cicatrisation d'une plaie et la régulation émotionnelle, la libération émotionnelle? Tout simplement, c'est que ce sont deux capacités naturelles. Quand vous vous blessez, votre corps sait cicatriser la plaie. Pour cela, il faut que vous laissiez faire votre corps. Eh bien, pour la libération émotionnelle, c'est exactement pareil. C'est juste votre capacité naturelle, mais du côté émotionnel de la chose. Ce que je veux vous apprendre, c'est tout simplement à laisser faire vos sensations physiques, à traverser les yeux fermés, vos sensations physiques désagréables, tout simplement parce qu'elles vont évoluer, se calmer d'elles-mêmes, et ensuite votre problème sera réglé. Comme la digestion, la cicatrisation, la libération émotionnelle, c'est exactement pareil. C'est seulement quelque chose qu'on connaît peu, donc on n'a pas trop tendance à l'utiliser. Et moi, j'aimerais vraiment que vous puissiez acquérir cette information afin d'utiliser votre capacité. Vous pouvez venir en séance pour deux rendez-vous pour un problème afin de le régler définitivement, ou bien je peux vous former en deux séances pour que vous appreniez à le faire par vous-même quand vous êtes mal, à chaud, tout de suite, là, maintenant. Chacun a la capacité de régler ce qui le fait souffrir. Il suffit juste de laisser faire son corps. Pour cela, ça s'apprend en séance ou par vous-même. À vous de jouer !